Yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes le mardi 14 mai, il est 8h30 du matin. Je viens d'emmener les enfants à l'école, Laura est en train de se préparer parce qu'elle a du coup toute la journée un stand Ville-de-Marne chez le coiffeur du coup du village. C'est le coiffeur qui lui a proposé de tenir un stand du coup. En plus le coiffeur il connaît bien les produits vu qu'elle a déjà commandé tout ça. Elle est en train de se préparer pour partir après vers 9h, 9h30 je sais plus exactement. Hier soir nous avons fait la chasse à la souris. Parce qu'en fait, hier matin quand on s'est levé, la porte de la salle de bain, il y avait du bois qui avait été gratté. Je me suis dit c'est cacahuète, essayer d'ouvrir la porte, je sais pas et tout. Donc merde, tu vois. Mais genre des petits morceaux de bois, hein, pas grand chose, mais on voit que ça a été gratté. Et hier soir en fait Laura elle m'amène un de ses moules. Et en fait elle a un moule de vin qui se retrouve mâchouillé. Et j'ai dit à Laura, j'ai dit ça, c'est pas un chien, ça c'est une souris ou un rat. Je lui ai dit à coup sûr, qu'elle m'a chouillé comme ça. On va le laver et tout, on peut encore l'utiliser, hein. Il y a encore des emplacements qui sont bien. Et j'ai dit ça c'est une souris, c'est obligé. Donc du coup j'ai mis un piège à souris dans la salle de bain et dans la buanderie là où il y a les machines à laver et tout ça, pour essayer de la choper. Pour l'instant il n'y a rien eu, cette nuit ils ne sont pas fait piéger. J'ai mis de la crème de pistache dessus, normalement tu mets du beurre de cacahuète, là j'ai mis de la crème de pistache. Donc ouais, on verra bien, mais ouais, c'est chaud. Après ça arrive, hein. Il y a quelques semaines, on a entendu dans le mur une souris. Donc à mon avis, ça se balade et tout. Bon, écoute, on met des pièges et puis c'est tout. Hein. Comme on avait fait l'année dernière avec Miguel Antoine, on avait mis plusieurs pièges et tout. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait mon live, Laura l'a fait avec moi, parce que franchement, j'étais fatigué. J'ai demandé si elle voulait pas faire le live avec moi. Après, on est allé au lit, on a regardé un épisode de notre série, puis on s'est endormi vers 23h40, donc assez tôt. Et réveillé ce matin, bah du coup 7h30. Moi je l'ai mis mon réveil à 7h15, mais 7h30 il y a le chat qui est vers la porte. Après le réveil, routine, machin et tout, se préparer. Et j'en ai les enfants. Donc là il faut que je fasse le point sur ce qui reste du coup à préparer à manger. Parce que je vais faire les courses ce matin. J'emmène Malone au lycée, après je vais faire les courses. Donc il faut que je regarde un peu ce qui reste du coup dans les placards pour faire la liste des repas. Alors, ouais, ok, œuf, machin. Ah, pour tes recettes? Ok, nickel. Dans le cellier, qu'est-ce qu'il nous reste? Ouais, ok, ok. Et puis bon, il reste poulet et tout. Et il s'était caché. Ok, bon, faut que je fasse la liste des courses. Du coup, il y a la liste que Laura l'a fait. Il y a un stylo là qui traîne. Je regarde dans ma veste pour un stylo. Mais voilà, je vais faire la liste et tout. Et puis je reprendrai après parce que je vais changer la batterie avant de partir aussi. C'est bon, j'ai fait la liste des repas. Alors, du coup, avec ce qui reste, est-ce que je vais prendre. J'ai une toute petite liste de courses. Il ne devrait pas avoir beaucoup de courses. On a du coup petit pois effiloché ce soir, crêpe au jambon demain midi ou ravioli, je verrai ce qu'il y a. Aiguillette de poulet que j'ai fait au chorizo avec des pâtes demain soir. Brocoli, poulet, carottes jeudi, purée saucisse chipo vendredi, riz hachis samedi et salade de concombre et salade de pommes de terre dimanche. Et après on verra s'il y a des restes et tout ça. Voilà. Une petite liste tranquille, pas trop élevée. Donc c'est bien comme ça. Bon, faut que j'aille envoyer mon vlog du coup que j'ai monté hier parce que j'ai même pas encore envoyé. Et puis faut que je change la batterie de cette caméra. Parce que sinon j'aurai pas assez de batterie et tout. Voilà, bon, en tout cas la liste est faite et c'est cool. Bon, c'est bon, j'ai changé les batteries. Ma batterie est repartie à zéro, c'est tout bien, c'est nickel. Là je viens d'envoyer mon vlog du coup sur YouTube. Je viens de le mettre en envoi parce que je l'ai monté hier. Mais après j'ai fait mon live, j'ai totalement oublié de l'envoyer. Donc je viens de l'envoyer maintenant. Ma liste de courses est faite, c'est bon, la liste des repas est faite aussi, c'est bon. Il y a quoi? Il y a des sorties cette semaine de prévu? Je crois pas. Attends voir. Non. Non, ça va. Juste Laura, jeudi matin, qui a ses ongles. Mais sinon, non, ça va, pas de sortie prévue. Bon, bah, c'est bien.
Allez, je vais redescendre. Malone ne va pas tarder à se lever. Je pense qu'on doit partir après à Saint-Dié. Et puis Laura ne va pas tarder à partir aussi. Une journée productive avec les concours, c'est tout tous. Bon. Allez. Et 10 000 pas aujourd'hui, comme d'habitude. Hein. Il faut les 10 000 pas. Bon, les amis, je suis actuellement dans le véhicule. Alors, du coup, Malone s'est levé. Il s'est préparé, moi j'étais un peu sur mon jeu, j'attendais pour partir. J'ai la liste des courses au stylo, j'ai les sacs de course, j'ai mon porte-monnaie. Et surtout, Laura avait oublié sa tablette sur laquelle elle a le catalogue Guy de Marle, parce que du coup j'avais installé le catalogue Guy de Marle sur sa tablette. Et hier elle me dit, oh, faudrait imprimer 8 pages et tout. Et je lui dis, mais pourquoi tu prends pas ta tablette, t'as le catalogue dessus? Ah bah oui, c'est vrai. Je dis, bah oui. Du coup j'ai rechargé cette tablette cette nuit, et puis là en partant j'ai remarqué qu'elle avait oublié sa tablette. Donc du coup je lui ai amené chez le coiffeur sa tablette. Elle m'a dit, ah bah oui, j'avais oublié. J'ai pensé que je l'avais oublié. Je lui ai dit, bah faut pas penser qu'elle l'avait oublié, faut y penser de la prendre. Elle m'a dit, ah, je comptais la reprendre à midi quand je revenais pour manger. Je lui ai dit, non bah c'est bon, du coup je lui ai amené comme ça là. Oula, il a failli y avoir un pet là. C'était moins une là. Et depuis hier je vois que ça. Et après bah du coup j'ai déposé Malone au lycée, c'est bon. Il est au lycée. Ah, il a plus que 4 semaines de cours avec cette semaine-là. Donc 3 semaines à partir de la semaine prochaine. C'est les épreuves du bac et tout ça. Pareil, Libby, mercredi, elle a pas cours. Vendredi, elle a quasiment pas cours. Elle a qu'une heure de cours. Vous savez, c'est la fin d'année. Hein. De toute façon, il n'y a plus rien qui va. Hein. C'est du grand n'importe quoi. Hein. Voilà, je marque mon stop. C'est absolument pas logique les travaux qu'ils ont fait ici. Enfin, les feux de travaux, ils les ont vraiment pas mis au bon endroit parce que du coup, il y a quand même des gens qui vont à gauche, à droite et tout. Qui viennent de gauche et de droite, et du coup, bah, même si t'as le feu, tu peux pas passer. Voilà. Donc là, ouais, je vais à l'Intermarché, je vais faire des courses, je rentre, je range des courses. Après, je monte, je vais bosser. Il fait beau en tout cas, franchement il fait un grand soleil, c'est trop agréable, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et demain normalement c'est un peu plus comme hier, c'est-à-dire que c'est les averses orageuses et tout ça. J'ai mis ma casquette parce que ça tape, hein, ça cogne hein, quand même. Hein, quand on est allé promener dimanche là, peut-être tu sens que ça cogne la tête quand même. Hein. Moi j'avais ma casquette, mais j'ai pas mes lunettes de soleil, je sais même pas où elles sont mes lunettes de soleil, faudrait que je les retrouve, ça serait bien. Mais ouais, j'espère que Laura va faire des ventes, qu'elle va réussir à conclure à des petites ventes, ce serait cool. Hier soir, il y a quelqu'un qui lui a commandé un B-Save. D'ailleurs, si cette personne regarde ce vlog, bah merci. Donc ouais, espérons qu'elle fasse des ventes, puisque ce mois-ci, au niveau des ventes, c'est pas ouf, ouf. Même YouTube et tout, hein. Et je vous dis, janvier, février, mars, les revenus, ils descendent. Avril, mars, c'est remonté pas mal. Avril, c'est redescendu, genre pourquoi? Et là, mois de mai, ouais, je sais pas ce qui se passe. Peut-être YouTube, je sais pas. Attends, je fais les mêmes vues et tout, mais ouais, il y a une baisse des revenus là. Après, il y a Ghost and Us et tout ça, hein, c'est pas un drame, mais du coup, en tant qu'entrepreneur, t'es là, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, machin. Du coup, ça te fait réfléchir, comme je disais hier dans le vlog, la culture du vlog, c'est des choses qui te font réfléchir, tu sais. Tu te dis pourquoi, comment, machin. Aïe aïe. Ah ouais, grand soleil là! C'est agréable, monsieur, dame. Aïe, 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 aïe. Ça fait plaisir à son homme. Ah, j'arrive à l'Intermarché. Ouais, parce qu'hier, Laura m'a dit, Malone m'a demandé si je pouvais l'emmener à 10h si j'avais des choses à faire à Saint-Dié. Elle a dit, mais je suis pas là, je suis chez le coiffeur. Donc, je lui ai dit que, bah, non, du coup. Et après, je lui ai dit, ouais, mais moi, je vais faire les courses demain matin, de toute façon, donc je peux l'amener, il n'y a pas de souci. Était content, Laura était contente parce que quand Malone il part à l'école, il part au bus, Laura elle se lève à 6h, tu vois. On va être là avec lui. De rien. Bon, je vais essayer de pas me prendre un coup de couteau à l'inter. Enfin, parce qu'à la fois il y a eu un coup de couteau à l'inter. En même temps, il y a toujours des mecs pas mal famés qui traînent devant l'Intermarché. Et la dernière fois, il y a une Rix avec un coup de couteau. Hop. Donc c'est pas foufou, tu vois. Il faut faire gaffe quand tu vas à l'Intermarché maintenant, c'est dangereux. Allez, garé. Oh bah là il y a de la place, nickel. Let's go. Bon les amis, il est actuellement 10h50.
je suis sur le retour. Ah, c'est bon, j'ai fait toutes les courses. J'avais pour 74 euros. Bah, après, j'ai vidé aussi le placard là. Hein. J'ai regardé ce qu'on avait encore en stock et tout. J'ai fait des recettes maison. Enfin, j'en fais que du fait maison, mais voilà, c'est pour dire. Donc, bon, au niveau planning, ça va. Donc, c'est bon, les courses sont faites. Après, j'ai eu ma mère au téléphone. Bon, on était au téléphone tout le long des courses. On a discuté de tout et de rien, machin et tout. Et puis, samedi, j'ai proposé à Libby et Malone d'aller à Metz parce qu'il y a un gros festival à Metz, des séries télé, films, jeux vidéo, manga, animé. Il y a des gens qui viennent déguiser, cosplay, machin et tout. Il y a l'actrice qui joue Luna Lovegood qui sera là. Philippe Béthieux, le doubleur de Homer Simpson. Donc voilà, il y a des personnalités. L'année dernière, il y avait Tilk de Stargate SG1. Donc, comment il s'appelle l'acteur? Il s'appelle Christopher Judge, qui était là et tout. Donc, c'est tous les ans, je vois passer le truc. Et là, cette année, j'ai vu qu'il y avait un acteur de Five Nights at Freddy's, le livre et le jeu préféré et le film préféré de Libby. Sauf qu'en fait, il a été annulé. Là, c'est Marina hier en live qui a dit bah, apparemment, c'est annulé. Et j'ai contacté l'organisation. Ils ont dit oui, c'est annulé. J'ai dit putain, merde, fais chier quoi. Mais Libby, je lui ai demandé, ça l'intéresse quand même d'y aller. Elle veut vraiment y aller et tout. Et du coup j'ai demandé à Malone il m'a dit ouais ça m'intéresse aussi mais faut que je vérifie avec lui parce que le soir il veut sortir avec ses potes. Le truc c'est que je sais pas à quelle heure on sera rentré le soir tu vois. Donc je sais pas trop, avant de commander les places j'aimerais qu'il me confirme quand même pour être sûr. Et là ma mère vient de me dire ah bah je veux venir aussi. J'y mettais au courant que c'est jeux vidéo, manga et tout, que c'est pas ton domaine. Elle me dit non mais c'est pour passer du temps avec vous et tout, ça me fait plaisir et tout. Donc du coup ma mère elle sera là aussi. Donc je prends pas Cléo et Théo parce que déjà c'est pour passer un moment avec les grands déjà. Et parce que bah du coup c'est pas forcément ce qu'ils connaissent de ouf ou pas. Et puis après voilà c'est vraiment pour passer un moment avec les grands. C'est bien de passer des moments avec eux aussi tu vois, en plus il y a de la route et tout. Donc voilà on verra bien. Donc normalement samedi on fait ça. Normalement mes parents devaient venir samedi pour le motoculteur mais finalement ils viendront lundi ou dimanche. Et Laura je lui dis ça t'intéresse pas toi d'y aller. Elle me dit oh non pas du tout. J'ai dit bon bah voilà. Sans moi. Le truc c'est que j'avais vu ça, j'avais envoyé mes parents, j'ai dit ah bah faudra emmener Libby. Sauf qu'en fait je croyais que c'était le week-end où ils étaient, elle était chez eux. Parce que mes parents ils habitent à côté. Et en fait non c'est ce week-end là. Et elle m'a dit bah tu pourras emmener ta fille. Et je dis bah ouais. Et du coup c'est pour ça hier je me suis décidé. Donc samedi on va à ce festival et ça va être golo. Voilà. Faut juste que je vérifie avec Malone si c'est bien pour lui et tout, qui me confirme s'il est sûr. Parce que voilà, vu qu'il veut sortir avec ses potes, je sais pas à quelle heure on sera rentré. Ça coince pas trop. Bon ça y est les amis, je suis rentré des coucourses. Je vais pouvoir ranger les coucourses, n'est-ce pas? Bon, il y a des trucs qui vont là-bas, bon, c'est lié, des trucs qui vont là, faut que je fasse le tri. Hop, 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 hop. Alors, là, des carottes. Les carottes qui vont dans les carottes. Les carottes, ça rend aimable. Allez, pareil. Je n'ai pas la preuve. La chair à saucisse, enfin de la saucisse pour faire du coup le fameux purée au chipot. On a des jus d'orange, du coup bah, il y en a encore un là, c'est bon. Ça c'est bon, ça va là. La maillot. Là on a quoi qui va au frais encore? Rien qui va au frais là. Donc ça c'est bon, ça va dans le cellier. Et là j'ai du congelé, du surgelé, du frais. Donc on a des bons poivrons aussi. Et on fait des légumes. Hein. Hop. Des petits poivrons. Bah, du coup, je me rends compte que j'ai un repas d'avance vu que j'ai commencé à faire des repas dimanche. Là, j'ai des brocolis, encore des brocolis. Hop, et là, j'ai des crêpes au jambon. Les enfants adorent ça. Et voilà, en frais, il y a ça, la crème, le beurre, les recettes de gras. La crème fraîche pour la purée et la crème semi-épaisse parce que j'ai des concombres, je vais faire des concombres à la crème. Les enfants raffolent de ça. Voilà, frigo rempli, frigo rangé. Là maintenant c'est que des trucs qui vont dans le cellier que je vais manger. Bon, nickel. Le lait, le PQ aussi. Tout ça, ça va aller dans le cellier. Je mets tout dans un même sac. Ça aussi, ça va dans le cellier. Ça aussi, ça va dans le cellier. Alors, le sac va peser 800 kg. Je vais le porter, je vais être en mode. Et voilà. Ah, merde, ouais, ouais, ouais. Allez, je vais aller ranger tout ça.
Voilà, toutes les courses sont rangées, c'est tout bon. Ah. J'ai mal au dos, je me suis fait mal au dos en portant le sac de lait, le pack de lait. Je l'ai pris à bout de bras et ça m'a fait mal dans le dos, dans la fesse et tout. Nerf sciatique, je pense. Ah. Mais bon, ça va aller. Ah ouais, il fait chaud ici. Hein. Depuis qu'il refait chaud, là, il fait chaud dans le bureau. Hein, avec le PC qui tourne, machin et tout, de toute façon, on peut pas rêver. Hein. Bref, let's go. J'ai du boulot. On y va. En attendant que Laura revienne, du coup, de son truc. Et qu'elle y reparte cet après-midi. Bon, les amis, nous avons mangé avec Laura, c'est bon. Alors, comment se portent nos petites plantations? Au niveau des radis, ça commence à pousser. On voit que ça a germé, vous voyez. On a des petites pousses qui commencent à arriver là aussi. Donc c'est bien. Non, j'arrose ce soir. Hier, il n'y a plus, ça va. Au niveau des fraises, ben, on commence à avoir des petites fraises là. Là, il y en a une rouge qui a été mâchouillée par une limace d'ailleurs. Enfin, je vais mettre de l'anti-limace. Bon, ben là, ça va toujours bien. Hein. Ça a bien repris. Et puis, on a une belle grosse fraise là. Aïe, aïe, aïe. On va en avoir des fraises. Hein. Oh putain, regarde la grappe. Tout ce qu'il y a. C'est bueno. Je me suis vraiment fait mal au dos là, putain. Vraiment, vraiment fait mal au dos avec ce putain de pack de lait. Je suis un fragile moi. Bon les amis, avant que Laura revienne, j'étais en train de commencer à bosser sur une mind map là pour le projet sur lequel je bosse là. Parce que j'utilise toujours, c'est mon ancien associé m'avait appris à utiliser une mind map, une carte de l'esprit. C'est en fait un logiciel qui vous permet en fait organiser un projet étape par étape et tout ça. Pourquoi il marche pas? Il veut pas se connecter. Donc oui, ça permet d'organiser un projet et éviter de s'éparpiller à droite, à gauche et tout ça, quoi. C'est vraiment beaucoup plus pratique. Donc j'utilise ça justement pour pouvoir gérer ce projet et éviter de reproduire les erreurs, comme je l'avais dit. Essayer de faire en sorte de bien gérer le truc et tout. Mais il marche pas le truc là. Cet email est déjà utilisé. Ah bon? C'était ce logiciel-là que j'utilisais. Oh là là, ça n'arrive pas à se connecter, c'est quoi cette merde-là? Le compte est enregistré sur Xmind. Eh, c'est pas en français, c'est en Shintok. Pourquoi? Oh putain, j'arrive déjà pas à me connecter au logiciel, ça me saoule. Bon les amis, je viens de tourner une vidéo pour Ghost and Us Paranormal. Comme j'ai déjà expliqué, sur la chaîne YouTube de Ghost, vous avez des enquêtes gratuites. Vous avez des vidéos gratuites. Ce qui se passe, c'est que sur la chaîne de Ghost and Us, c'est une chaîne qui ne tourne quasi exclusivement qu'avec les membres premium, donc les gens qui payent tous les mois. Voilà, avant c'était sur le site, maintenant pour une question de logistique et de frais, c'est beaucoup mieux de le faire en membre premium sur la chaîne YouTube. Vous vous abonnez pour quelques euros et vous avez accès à du contenu exclusif sur la chaîne Ghost and Us et tout. Le truc c'est que cette chaîne YouTube a 50 000 abonnés, c'est une chaîne YouTube qui a du potentiel. C'est une chaîne YouTube que si je produis du contenu qui fonctionne, c'est une chaîne YouTube qui peut très vite rapporter de l'argent, hein, honnêtement. Voilà, je vous le dis clairement, c'est pour ça, en plus de ma chaîne de vlog. J'ai essayé il y a un an de faire des facecams sur Ghost and Us, donc en faisant des facecams réactions, donc je faisais des vidéos réactions à des phénomènes paranormaux sur YouTube et tout ça. Ça n'a pas très bien pris. Pour le travail que ça me demandait de montage et tout ça, ça n'a vraiment pas bien pris. Donc j'essaie de trouver quelque chose d'autre, j'essaie de trouver d'autres façons de créer du contenu sur Ghost and Us. C'est ce que je suis en train de faire, là je viens de tourner une vidéo, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais l'objectif c'est pour les gens qui sont abonnés à Ghost, même gratuitement, d'avoir comme ça régulièrement du contenu à regarder sur le thème du paranormal, des entités, des machins, etc. Et pour les membres premium, c'est d'avoir du contenu exclusif. Donc j'essaie de faire ce que je peux, je sais pas, là je viens de tourner cette vidéo, j'ai même pas besoin de la monter parce que normalement il n'y a pas de cut à faire et tout, donc je vais essayer de voir ce que ça donne. Si ça vous plaît, je vais faire une miniature.
Je vais la balancer sur YouTube. Je vais faire des shorts aussi, parce que bah, je fais des shorts aussi maintenant sur Ghost and Us. Là, j'en ai plus, il faut que je reprogramme. J'essaie voilà, de créer du contenu. Voilà, je suis entrepreneur, j'essaie de trouver des solutions alternatives, j'essaie de trouver d'autres sources de revenus, j'essaie de trouver de quoi faire évoluer le contenu et tout. Et c'est vrai que Ghost and Us, ça fait un moment maintenant qu'il n'y a qu'une enquête par mois, et puis c'est tout. Après, la chaîne ne génère rien du tout. Et même la dernière enquête qui est actuellement gratuitement sur YouTube, généralement une enquête ça rapporte 100-150 balles, juste la monétisation, et ben elle n'est pas monétisée. La dernière enquête a été démonétisée. J'ai demandé de la remonétiser, ils m'ont dit non YouTube, donc visiblement il y a un truc qui leur plaît pas dans la vidéo. Bon bah c'est du paranormal et tout peut-être, c'est pour ça. Donc bah moi ça m'embête un petit peu, je vais pas te mentir. Ah putain, j'ai mis où le... Oh oh. Oh putain. Où est-ce que j'ai enregistré cette capture? Ah, je l'ai enregistré dans le truc de Temu d'hier, merde, je suis con. Donc ouais, j'essaie de faire des choses, hein. J'essaie de faire des choses comme je peux. Donc là, je vais faire une miniature, je vais balancer cette vidéo et puis on verra bien si ça vous plaît, ce que ça donne. Là, je me suis vraiment fait mal au dos, là, tout à l'heure, avec le pack de l'air. Ah, ça me tire dans la fesse, là. C'est pas agréable. Oulalalala, c'est pas agréable du tout, mes amis. Bref. Bon, j'ai activé la monétisation des shorts YouTube, parce qu'ils étaient pas activés. Je comprenais pas pourquoi, mais ils étaient pas activés. Bon, bah, écoutez rien. Bon, moi, je l'ai activé, là, c'est tout ce qui compte. J'ai mis le petit extrait pour les membres premium de Ghost aussi. Eh oui, des petits coups de mise exclusifs. C'est bien, c'est beau, c'est propre. Bon allez, au boulot, je vais continuer de bosser. Merde. Ah oui. Allez, let's go. Au boulot. Bon les amis, il est presque 16h, je vais chercher les enfants à l'école. Je viens de terminer de bosser, enfin terminer non. Je viens de bosser du coup sur un projet comme je vous ai dit. Oh, j'ai pas mal bossé dessus aujourd'hui. Hop, j'ai fait ma mind map. Du coup, elle est pas terminée. J'ai montré à Laura, elle est pas du tout terminée. Mais j'en ai déjà fait une belle ébauche quand même. Avec plus de 80 entrées sur la mind map. C'est vrai qu'elle est imposante. Hein. Faudrait que je me l'imprime sur une feuille A3 et que je me l'accroche au mur. Ça sera plus simple. Mais ouais, il y a du taf. Il y a du taf pour aboutir au projet final. Bon, bon c'est comme ça, hein. Mais au moins c'est organisé. Et ça, c'est bien. Voilà, il faut organiser ses idées. Ce soir, je sais pas ce que je fais à manger. Au début, j'avais dit que bah, j'avais fait les aiguillettes de poulet, là, hier. Et d'un autre côté, j'ai des petits pots à faire aussi. Donc, je sais pas trop sur quoi me lancer. Bon, je verrai bien. Non, je vais faire les aiguillettes, je pense. Elles sont déjà prêtes, de toute façon. Comme ça, on va s'y faire. Bref. On va voir l'eau. Oui, parce que cet après-midi, il est partout, mais du coup, la nana lui a dit qu'elle l'appelait s'il y avait quelqu'un intéressé. Toujours en train de dessiner. Oui, Libby est rentrée, elle a quitté tôt. En même temps, elle dort tellement mal en ce moment. Là, depuis qu'elle prend les antibiotiques, elle tousse encore plus. Donc, c'est pas ouf. Il fait chaud dehors. Je serais bien à faire de la moto. Bref, je vais bientôt partir chercher les enfants. Après, routine du soir, les devoirs, machin et tout. Faut que je commande les places aussi pour le festival samedi. Que je prenne aussi pour ma mère, du coup, vu qu'elle vient. Non, mais elle me fume, ma mère. Non, mais je veux venir. J'ai mis, t'es au courant que c'est pas un truc de tournage en fait. Ça lui fait plaisir. Moi. Qu'est-ce qu'ils ont, ça fait plaisir à Libby. Il y a Malone aussi, mais surtout Libby. Oui, je pense qu'elle sera très contente. Même si son acteur est pas là, elle sera très contente quand même. Bon, les amis, il est 16h40, je suis allé chercher les enfants. Théo a trouvé ça. Oh, j'ai eu peur qu'il amenait ça, j'ai cru que c'était une grenade. Mais je pense de toi. Truc de construction, j'ai envoyé à Miguel Anto pour qu'il regarde. Ça se trouve, il sait ce que c'est. Du coup, je vais préparer à manger après, donc je fais petit pois, ragoût de petits pois, en fait, petits pois, viande hachée, oignons, carottes et pommes de terre. Du coup, je suis en train de décongeler les steaks hachés. Et après, je vais faire à manger. Et ma petite femme a la faim. Enfin, juste pour oublier d'aller chercher ton matos, j'ai quoi faire. Bon, t'as pas écrit, ah, t'as pas écrit, c'est que t'as pas eu de vente. Oui, parce qu'elle lui a dit de rester à la maison cet après-midi, qu'elle l'appelait s'il y avait un truc.
On verra, hein. On verra. La météo et Théo sont en train de jouer dehors. Il fait beau, qu'on en profite. Demain, c'est un peu moins bon la météo. C'est pas 15-16 degrés avec orage. Oh. Ouais, je sais. Faut que je commande les places pour le festival. T'avais raison, hein, la question. Bah, bien sûr que t'avais raison. De ce que j'ai lu. Ah, mais regarde l'appréciation de la prof. C'est oui. Les évaluations de Léo. Regarde, t'as vu derrière? Non, non, derrière. Regarde. L'appréciation finale. Aucun travail. De ce que j'avais lu, de toute façon, c'était. Léo a un poil dans la main tellement énorme qu'il fait animer pas ses phrases tellement il s'en fout. On a dit c'est le champion du point d'interrogation. Ce qu'en fait ça le saoule. C'est pas qu'il sait pas, c'est que ça le saoule du coup, quoi, point d'interrogation. Allô? Il travaille là, ils vont pas répondre. Les caractéristiques du personnage Charlie Chaplin, une moustache trop grande. Bah non. Non mais il a pas lu le livre. Il marche comme un malfaisant. Bah non. N'importe quoi. Vous allez voir vraiment l'acteur de Stranger Things? Tu sais même pas qui c'est, vous avez jamais regardé cette série. Oui mais on a regardé les petits trucs où il y a lui. Oui mais vous savez même pas. Ça sert à rien. Je demande juste, est-ce qu'on va chez mamie ou c'est là qui vient? Mais vous allez nulle part? Vous restez ici avec maman? J'aurais pas dû en parler. Bah c'est bon d'avoir le droit jusqu'à samedi. Je sais pas pourquoi t'as fait ça. Oh bah parce que des fois je me dis je suis naïf, tu sais. Oui. Je le dis à chaque fois. Aïe aïe. Il a fait 23 degrés. Il a fait plus que ça aujourd'hui. Non, parce que après-midi, bah, il a écrit 23. Je disais à Laura, il y a encore un père qui est venu chercher son gamin en moto à l'école. Short, t-shirt, le gamin, pareil, short, t-shirt. Assis sur le réservoir de la moto, donc même pas sur le siège passager. Oh bordel. Comme j'ai dit, un pied avec des baskets, hein, pas de chaussures moto, rien du tout, ni chaussures montantes. J'ai dit, mais en fait, on n'a pas, je crois qu'on n'a pas passé le même permis moto avec ces gens-là. C'est tellement dangereux. T'imagines, le gosse, il glisse du réservoir. Tu sais, tu perds le contrôle, t'en sais rien, le moteur il serre, tu perds le contrôle, hop, le gamin il glisse du réservoir, poum, par terre, tu lui roules dessus, ou une voiture lui roule dessus. Enfin, même pour faire un kilomètre, quoi, c'est vachement dangereux. Je sais pas, on a pas passé le même permis, parce que moi, avec le code, au code, ils te le disent, parce qu'en façon, en France, t'as deux équipements obligatoires pour faire la moto, c'est les gants et le casque. Le reste, tu peux faire à poil, on s'en fout. Mais c'est tellement dangereux, quoi, je sais pas. Même moi, quand je mets pas mon pantalon moto, que je mets juste celui-là, je suis pas à l'aise, quoi. Oh. Il a même pas barré. Théo, il a fait son orthographe, il est tout juste. Ah ouais. Sur les G, GA, GU, GA, G, etc. T'sais. Puis Chloé a dit, ah mais moi aussi je peux le faire. Il a dit, ah non, toi tu sais pas. Je dis, si, méfie-toi parce que ta soeur peut le faire. Bon les amis, il est 18h42, je viens de rentrer, je suis allé marcher. Putain, je suis parti, j'ai senti quelques gouttes, ça montait noir dehors. Je sais pas si vous connaissez l'expression, ça monte noir. Bref, ça montait noir. Je me suis dit, je viens de taper un orage, ça y est, c'est fini. Et en fait, non. Mais j'ai speedé, hein, 6,6 km/h, ou je sais plus combien, ou 5,6, je sais plus. 2,2 km. Et là, je suis à 11 200. Donc c'est bon, j'ai fait mon quota. Toi, t'as récupéré ton matos, pas de vente, mais beaucoup de catalogues de... Pourquoi? Ah, le présentoir et tout? Et il y a encore des catalogues? Ouais. Bon, c'est sympa. Et du coup, elle a pas eu de vente, mais beaucoup de catalogues distribués, donc ils ont peut-être conduire à une vente ou un atelier, ou je ne sais pas quoi.
Mais ils ont tes coordonnées au moins ? Oui, et j'ai noté mon numéro de téléphone. Ok. Ouais. Avec Instagram, email. Ouais. Et j'ai ajouté sur le catalogue le numéro de téléphone. Ok, bah nickel. Oui. C'est une petite mamie. Oui. Donc voilà. Et on a bien mangé, c'était bah, du coup le ragoût là, je sais pas trop quoi. Au petit pois, c'était équilibré au moins, c'était bien, c'était bon. Voilà. Et puis je suis allé tout de suite marcher quand j'ai vu que ça. Hein ? Pourquoi tu dis ça comme ça ? Pourquoi tu dis ça comme ça ? Mais tu te fous de ma gueule ? Hein ? Moi j'ai pas de live ce soir, Laura a un live. Je sais plus c'est quoi. Ah c'est le gâteau au lait concentré là. Allez mon vlog à monter. Pigostenos où je vois la vidéo si ça a marché ou pas. Bah tes souhaits toi. Dégueulasse lui. Je change la miniature de la vidéo que j'ai sortie aujourd'hui. Je mets des miniatures genre super putaclic. Ouais. Hein ? C'est du paranormal. Les gens ils aiment bien des. Oh ! Oh ! Ah c'est vrai. Je regarde ce que je peux faire. Oui c'est vrai. Pourquoi c'est comme ça quand je peux faire ? Quoi ? Bah c'est toi qui dis tout le temps ça. Je te copie maintenant. Tu dis tout le temps, bah quoi, c'est vrai ? J'hésite à arroser parce que je me demande s'il va pleuvoir. Ouais, mais imagine, il pleut pas et j'ai pas arrosé. Ah ! Ah ! Tu veux toujours pas essayer tes habits, j'imagine. Bon, pas tout de suite, mais par contre, la prochaine fois que j'irai marcher, je mets un short hein, parce que j'ai chaud dans mon pantalon. C'est quoi, je voulais voir ? J'ai oublié du coup ce que je voulais regarder. Je peux faire le beurre fondu ? C'était quoi que je voulais regarder ? Je sais plus. J'ai dit je regardais ça mais je sais plus c'est quoi. Oh. Oh putain. On parlait de quoi? Bah oui c'est vrai. Après j'ai dit. Ah ouais non c'est pas ça. Oh merde je voulais regarder un truc et j'ai oublié. Ah oui c'est ça. Merci. Ouais ouais. À partir de 22h, il pleut. Et toute la journée demain, maintenant. Putain. Ça y est, tous les habits qu'on a reçus hier sont là. Yeah. Sauf les blancs. Yeah. Ouais, demain, météo pas ouf. Hein. Putain. Là, en tout cas, sur l'application météo, il pleut jusqu'au 28. Ça y est. C'est fini, on a eu même pas une semaine de soleil. Et maintenant, hop, mauvais temps. Dans ta gueule. Faut qu'on se barre d'ici. Tu veux aller où? De toute façon, il pleut dans toute la France. Au Portugal. Tu quittes tes parents, ton frère? Oui. J'aimerais bien voir ça. Non mais c'est pas un jouet par contre, hein, cet aspirateur. Hein. Oui, oui. J'ai mis les 128 grammes de. Ah, si tu rangeais tes chaussettes aussi bien que tu nettoies avec le petit aspirateur de table. Le beurre fondu. T'aurais plus de soucis, hein. Chloé, qu'est-ce qu'on vient de te dire en fait? Ah, il y a aussi la. Tu le ranges? Il y a le levier. Ah, on s'amuse avec le petit aspirateur qu'on a eu avec Temu. Ah, bah vous avez pas vu la vidéo encore? Ah, elle m'a répondu, la de Temu. Elle m'a dit qu'ils me valideront sous un ou deux jours. T'as besoin de quelque chose? Non. Ah, ils l'ont regardé. Il y a une vue en plus. T'es mieux hein? Mais faudra que je la remonte. Hein. J'ai eu un décalage son. Putain. Mais un truc de fou, juste un effet qui fait ouf, comme ça. Mais c'est décalé, je sais pas pourquoi. Faut que je regarde. Oh putain. Et ce 7. On verra si cette nuit on chope la souris. Si on chope Mickey. Et Mini. Je t'en avais fait une. Je suis bête. Ah.
Quand j'ai commencé à partir, il a commencé à pleuvoir. Je me suis dit, oh. Et après, je me suis dit, non, vas-y, ça va le faire. Au pire, il pleut, c'est pas grave, je vais pas mourir. Mais ça montait bien, hein. Mmh. Là, ça s'est calmé, là. C'était juste passager, je pense. Mais après, à 22h, il faut. Venir. Ouais, ouais. Mais ça, faut pas qu'il laisse là. Faut que je mette de l'antilimace pour les fraises. Les nouvelles qu'on a semées, là. Bon les amis, je monte pour monter mon bloc. C'est beau quand même. 19h. Hop. Charger les fichiettes et monter ce vloguette. Après Laura là son live à 20h. Je bosserai en même temps. Et voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir. Ce petit vlogu vous aura fait plaisir. Ah, j'ai ma mind map qui vient de s'afficher. Ah, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo incroyable sur ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à aller voir Ghost and Us. Des bisous. Salut.